fruition. Please be seated. Veuillez vous asseoir. The court is now back in reprise session. De l'audience. And the chamber would like now to hand the floor la chambre to the co-defense teams la to put the questions to aux the équipes expert. De la défense. First, la question I'd like to hand the floor to Je the defense team for Nunchia. You may proceed, counsel. Maître, vous avez la parole. Thank you, Mr. President. Merci, Monsieur le Président. Good afternoon, Mr. Hinton. Bonjour, Monsieur Hinton. I have quite a few follow-up questions. J'ai quelques questions de suivi. In relation, especially to some questions posed by en rapport avec quelques questions posées par le coprocureur hier. And I would like to start first with asking you some je commencerai tout d'abord par vous about your methodology poser des questions and, sur votre méthodologie the sources et vos you ressources have used both for your book, utilisées and tant also pour votre livre testimony. Que pour la déposition d'aujourd'hui. I believe you agreed with the summary, je pense que vous êtes d'accord avec le résumé du procureur sources, sur les trois sources les plus importantes que vous avez utilisées pour votre livre et qui font de votre I connaissance. If I et si je résume it is, correctement, hand, ces sources sont d'une part the existing scholarship, that you've used les recherches existantes faites par d'autres chercheurs que vous avez utilisées pour rédiger votre livre et que vous avez utilisées dans le cadre de votre déposition aujourd'hui. La deuxième source, c'est les entretiens que vous avez menés dans la région 41, aux habitants de cette région, ces personnes que vous avez interviewées et que vous appelez données primaires. Et troisièmement, vos études et l'examen que vous avez fait des documents du Kampuchea démocratique. Êtes-vous d'accord avec ces trois sources? Vous avez déjà répondu, mais j'aimerais vous demander encore si c'est bien vos trois sources principales. Yes, thank you, Mr. Defense Lawyer. Merci, Monsieur. Add that those are sources. The first source would be my interviews as well as participant observation, which is another distinct methodology for data collection, so not just interviews, but ethnographic data collection, as well as different documentation related to the DK regime and scholarly sources as well. Let me start by going to the existing scholarship je commencerai par as part of les études des autres chercheurs, les études existantes que vous avez utilisées dans le cadre de votre travail. Would it be fair to say that, serait-ce juste de dire you have relied mostly or que vous at êtes appuyé principalement on the works of, sur les travaux David Chandler and de David Chandler et Ben Kinnon? Thank you, Mr. Defense Lawyer. Merci, yes, Monsieur I would de la say, oui. If I had to rank it, David Chandler je dirais David, would be David Chandler the en number premier. One person, but si je devais as classer. Well as Ben Kiernan, he has the most ensuite, data, for ben example, Kiernan, on ethnic Vietnamese il in the JAM population, he's studied les it more extensively than David Chandler, sur, but other scholars as well. Cham. But certainly those David Chandler, especially in terms of the dynamics David of Chandler, the purges, pour so on ce qui and so la forth, dynamique des purges. Has been he's done pioneering work. A effectué un travail de pionnier. I believe at some point in your book, and I think à you might have said that already dans votre also livre, in your testimony yesterday, vous that l'avez Ben Kiernan was, quote-unquote, quite vous supportive que Vietnam, of your work. Ben Kiernan, pardon, avait appuyé dans une grande mesure votre travail. Est-ce exact? Thank you, Mr. Defense Lawyer. I don't think I merci, said Monsieur that. Conseil de défense. I think David me souviens Chandler pas de l'avoir has been
supportive de David Chandler, me, as well as many other people. Ben Kiernan, over time, has also been supportive. Ben Kiernan, but the person I've had far more interactions with, David Chandler, historically, de la part de David Chandler. They were the two sort of senior scholars in my studies. C'est un so I don't believe I said that yesterday, but I could be mistaken. But for the record, David Chandler, I would say, is the one who historically David Chandler, has been very supportive of me and many others, which isn't to say that Ben Kiernan has not. Appuyé, I just haven't interacted as much je with ne dirai, him. Je ne veux pas dire que Ben Kiernan ne l'a pas fait, mais j'ai moins interagi avec maybe lui. I just had it from your book where you say, je me suis peut-être trompé, in your forward, mais Ben Kiernan has je lis dans votre livre, à l'avant-propos, que Ben Kiernan m'a également soutenu et a été très généreux avec son temps dans le cadre de mon travail. C'est ce que vous avez dit dans la préface de votre livre, et c'est exact. Thank you, Mr. Defense Lawyer. So merci, I think, Conseil de la Défense. No doubt, I thank many people, Ben Kiernan among them. I'm sure I thanked, although Ben I can't remember because I haven't read my forward in quite some time, that I probably thanked David Chandler as well. But anyway, just for the point of clarification, historically, David in terms of my interactions, I've interacted much more with David Chandler and sort of seen him in person as the senior historian. In my studies, I've seen Ben Kiernan at different times. I've gone to Yale, for example, and given talks before. I've had interactions. He's been supportive as well, but I think predominantly David Chandler rencontrer Ben Kiernan, qui a été, bien sûr, is the one I've interacted with much mais je more, que David Chandler intervient a stronger premier, influence on my work, which isn't to diminish the work of Ben Kiernan, but just to say that in je terms of tracing out purges and different things, de he's Ben been Kiernan, definitely, a, I think, a mentor to many people, mais je considère David Chandler comme un mentor pour indeed. Moi et pour d'autres personnes. Are there any points or paragraphs in your book? Y a-t-il des paragraphes? Especially think of dans the votre chapter livre, dealing with je pense au chapitre the purges, S21, etc. Qui est très are there any points S21, that you etc. Differ y a-t-il from either Chandler un or moment, Keenan or any, y a-t-il des moments où vous approchez une approche, on, vous adoptez une approche différente de David Chandler ou d'autres personnes en, concernant les événements survenus au Kampuchea démocratique? Thank you, Mr. Defense Lawyer. Merci, Monsieur le I think that there Conseil definitely is somewhat of a consensus about the course of the purges, which areas and zones were targeted. I think sur the le cours des purges, description des zones of the ciblées, networks la and the labeling réseaux, of different networks de ces réseaux, is something where there's variation. You know, Elizabeth Becker and many different people and how you understand the groupings that are taking place. And I think there's some variation within that. But by and large, groupes, in terms pardon, of the général, course of the purges, I think that Ben Kiernan and David Chandler, there's purges, many scholars, there's an agreement supported by documentation about that course. How you label them again, I think is something where there's more of an interpretive, maintenant, like what is the nature of the groupings et la nature when people de ces qui ont fait l'objet de purges, il peut avoir de légères variations. Purges or, mais non, de manière générale, non seulement en termes de purges, you know, ou de fonctionnement de S21, speaking, par exemple, mais en termes généraux, CPK, l'idéologie du PCK, CPK, la structure du PCK, very broadly, are there any sur le plan général, substantial points y a-t-il you, des points importants differ sur lesquels Chandler vous divergez view, as to, des visions de Chandler ou de Kiernan au sujet des événements survenus entre 1975 et 1979. Thank you, Mr. Defense Co-Lawyer. Merci, Monsieur le Co-Avocat de la Défense. I mean, I would have to guess which aspect je are you referring to, the characterization of genocide, de the degree of Marxist-Leninism, the sort of emphasis on revolutionary consciousness versus racism. Those are within the literature, sur, and I know documents have been introduced into court that speak to these issues. Were you thinking, just l'impact for a point of clarity, of one of those in particular? Est-ce que vous pouvez clarifier quel aspect de la question vous voulez que j'aborde? Any point, be it factual, be it tout point, que ce soit interpreting factuel, that you
really do not have the same views que ce soit en termes d'interprétation, tout point sur lequel vous divergez de Ben Kiernan ou de Chandler. Mr. Expert, please hold Monsieur on. Monsieur l'expert, veuillez patienter. Deputy co-prosecutor, you have the floor. Le co-procureur international, vous avez la parole. A brief objection. Une brève objection. What happened in Democratic Cambodia? Ce qui s'est passé au Cambodge démocratique. Many, many things over the years. Était de plusieurs ordres au fil des années. Alors demandez à un expert si oui ou non il diverge des autres chercheurs et spécialistes sur un point particulier. And that's impossible sur toute la période, c'est une question impossible à répondre. J'aimerais demander au Conseil de poser des questions précises. On ne peut pas s'accorder sur tout ce qui s'est passé en 3 ans et en 8 mois, sur chaque fait et dans chaque livre. Ce n'est pas possible. Je l'ai fait délibérément, Monsieur le Président, pour essayer de nous donner un champ plus large à explorer. Mais je serais heureux de restreindre, circonscrire mon propos, le traitement des Vietnamiens, la position du PCK contre le Vietnam, les raisons des purges, entre guillemets, from a scholarly view, tout point important dont vous n'êtes pas d'accord en tant que spécialiste, toute divergence que vous pouvez relever entre vous et David Chandler ou Ben Kiernan. Monsieur le Président, la portée est toujours très large. Le Conseil devrait poser des questions spécifiques, avancer un fait ou un point spécifique. Tout le monde a des vues divergentes. Je suis sûre que ce n'est pas juste pour le témoin de le faire, de répondre à de telles questions. Monsieur le Conseil, vous dites que vous l'avez fait délibérément. Quel est le but de cette question extrêmement vague? Je pense que l'expert doit être en mesure d'identifier lui-même des points qui ont suscité une controverse entre lui et les autres chercheurs, des points sur lesquels ils divergent de Chandler ou de Kiernan. Je ne pense pas que c'est excessivement vague. Je pense que M. Hinton pourrait être à même de nous dire. S'il y a des points spécifiques, il devrait être à même de les aborder. Mais je serais heureux de reformuler. Get from a different angle to my point. Et je vais donner une autre perspective à ma question. Use the word consensus. Vous avez utilisé le terme consensus dans la communauté universitaire, la communauté des chercheurs. Avez-vous jamais entendu parler d'une notion appelée la vision totale académique, la vision standard totale académique? Of course. Oui, bien sûr. Can you explain? Pouvez-vous nous expliquer? What your understanding of this notion of standard total academic view is? Par vision standard totale académique. The standard total view, again, not just academic. La vision standard totale, pas seulement académique. Popular accounts as well. Would be that there was a great deal, much more variation d'un sens général, that existed, as well in terms of the centralization of control was more diminished. This was an early view by Michael Vickery. Michael Vickery that people, I think, appreciate vision. The point that there was variation across zones, variation across time and place, and I think that's a very important point. So I think that point of his argument is well taken. Qui est prise en compte. The notion that there was about the degree of centralization la notion selon of laquelle le degré de centralisation I think is one that contrôle, is not a dominant view at this point. So if you're in terms of consensus being everybody 100% thinks point, the same way, of course there are nuances and differences, but I think most people would agree with that point that there was temporal and spatial variation that existed. Des variations temporelles the et causes spatiales. Of that variation les causes and the effects de cette variation of that variation people would de then disagree upon
in relationship to the degree of central control. En ce qui concerne le contrôle central. Again, my question has been objected to a few times already. Il y a eu une objection à ma question plusieurs fois. Je vais revenir à ma question initiale. That you see differently on the matter of purges, for instance. Y a-t-il un point de divergence en ce qui concerne les purges, un point différent de celui de Chandler ou de Kernan? Your Honor, I would object. Objection. Monsieur le Président, si le Conseil aimerait poser une question spécifique au témoin pour voir s'il est d'accord ou désaccord, c'est équitable. Mais ce qui n'est pas juste, c'est, voilà, j'ai le livre de Ben Kiernan devant moi. Il y a énormément d'informations sur les purges. Comment peut-il savoir quel point de ce livre sur les purges, avec quel point il est d'accord ou avec quel point il est en désaccord? Ça fait 15 minutes que le procureur fait objection. I've made it concrete. Reasons of people being arrested and sent to S21. Monsieur l'a dit tantôt, les purges, les raisons pour lesquelles les personnes étaient arrêtées et amenées à S21. Is that a subject that you hold a different view? Je vais donc reformuler pour ce qui est des purges. Chandler or Keenan. Est-ce un point sur lequel vous avez des divergences par rapport à Chandler et à Kiernan? Well, I'm not trying to be objectionable. Je n'essaie pas de faire des objections, mais lorsque le Conseil dit que est-ce que vous avez des raisons de diverger en ce qui concerne les purges, de quelle purge parle-t-il? Pour quelles raisons? Dans quelle partie du pays? Donc ce serait injuste pour le témoin de lui demander de répondre à une question aussi vague et aussi large. The objection by the international deputy co-prosecutor is overruled. And Mr. Expert, if you still recall the last question put to you by the defense counsel for ONG, you may respond. Vous pouvez y répondre. Thank you, Mr. Defense co-lawyer. Merci, so Monsieur le co-avocat, again, with my work differs from other scholars by being informed by an anthropological approach, looking at the cultural dimensions, the cultural meanings of the purges, and certainly in that emphasis I differentiate myself from those purges, scholars, but I would note that in terms of what I said Mais was the course, the temporal courses of the purges, temporel, I think that there's fairly standard agreement purges, about that in terms of the specific dynamics of what was motivating and driving them. I mentioned before, if you talk about the degree of racism, for example, Ben Kiernan's work as a driver of CPK policy, there's somewhat of a difference from the work of David Chandler. So I would say they have many points of agreement. There are also some disagreements that emerge, but I don't see it as a massive amount of disagreement. In terms of a driver, if you're trying to get to the use of the word genocide, there's somewhat of a difference of opinion between the two of them. Lorsqu'on parle de génocide, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de désaccord entre ces deux chercheurs. Je ne parlais pas des différences entre eux, mais lorsque je lisais votre livre, especially the chapter on the purges, notamment S21, le chapitre etc. sur les purges, S21, etc. My sensation or understanding was that ma compréhension était
most of the times I was reading either Chandler or Keenan's views. Des visions soit and de Chandler, that I have not noticed or seen any new or original vision on the events relating to S21, relating to Purges, etc. It's a little bit harsh maybe to say, but would that be dur à dire? Fair or unfair? Mais est-ce que cela serait juste ou injuste, si je puis ainsi m'exprimer? I'll leave you to make your own assessment, je vous laisse fair faire and unfair. As you said before, I'm just an anthropologist. Juste, but having said that, I should note that the anthropological approach is distinct in terms distinct, of going back to the ideology of genocide that I laid out, the process of genocidal priming. Genocidal activation, manufacturing difference, looking at revolutionary consciousness and emphasis on revolutionary consciousness. You know, I hope those might be small, minor contributions, but if your interpretation is that they're not, certainly I respect your judgment, even if si I hope that others might disagree with que d'autres seraient peut-être en désaccord avec elle. A bit later, j'y reviendrai un peu plus tard, demain, Monsieur Hinton. Source, je vais passer à la deuxième source, and, les entretiens the participating que vous avez menés et l'observation participative. Is it correct when I say that you, est-ce correct de dire when talking to certain individuals que lorsque vous êtes allé parler à certains individus that you were talking, or you have been talking en 1994-1995, vous avez interrogé 10 à 15 individus that you call, dans ce village Banyan, que vous appelez Banyan. Thank you, Mr. Co-defense lawyer. Merci, Monsieur le co-avocat de la défense. I spoke to ce n'est pas exact. Many people in j'ai the village, parlé à plusieurs personnes du village. Over 100 people. Many people. Plus d'une both, centaine. You know, I formally interviewed many people, j'ai but I also, in terms of participant observation, casual conversations, interviewed many more. J'en ai interviewé beaucoup d'autres dans le cadre d'une observation participative, c'est-à-dire des conversations que j'ai eues avec eux. Je fonde ma question sur le nombre de personnes que vous évoquez dans votre livre. Y a-t-il une raison pour laquelle vous n'avez pas cité une centaine, comme vous le dites? Pourquoi vous êtes-vous limité à 15 d'entre eux? Thank you, Mr. Co-defense lawyer. Merci, perhaps you could refer défense, to a specific page number vous pouvez and then peut-être would help à des pages clarify things. De mon livre, des pages précises, je pourrais éclaircir les choses. Je reviendrai, dit le conseil de la défense. What were your mechanisms to ensure that les mécanismes que vous avez adoptés pour vous assurer que les personnes avec qui vous avez discuté, laissé de côté le nombre exact. Et ces personnes étaient, d'une certaine manière, non seulement représentatives du village où elles vivaient, mais étaient également représentatives du district, de la commune ou de la province, et en définitive, du pays. Quels mécanismes avez-vous mis en œuvre pour vous assurer de ce fait? Thank you, Mr. Co-defense lawyer. Merci, Monsieur le co-avocat de la défense. Again, as an anthropologist, my goal was trying to understand the cultural dimensions of what was taking place, as opposed to trying to get, for example, a survey to hand out to people. Exemple, there are very different ways of trying to get information. La mise en œuvre my goal was to understand the experience of people from this village and then link it as well, because I did interviews in Kampong Cham City as well, so went outside of the village, but to the larger, eventually to the larger events that were taking place, to understand the lived experience of the people in the village in relationship to the broader events. So in terms of a representative sample, my concern was to understand the experience in the village. So that's a different disciplinary concern. That's standard approach in anthropology. I fully understand. However, answering questions, je comprends parfaitement. Lorsque vous avez répondu aux questions des co-avocats pour le parti civil, vous avez dit, je cite, everybody
suffered, meaning tout everybody souffrait, who lived in the DK savoir, regime. Tout le monde qui vivait sous le régime du Cambodge démocratique. Tous les Vietnamiens étaient tués. You are speaking about the Khmer Rouge ideology. Vous parlez de l'idéologie Khmer Rouge. So I understand the methodology used je comprends la méthodologie que vous avez utilisée par rapport aux personnes today and yesterday, à qui vous avez parlé au village. Or, hier et aujourd'hui, vous ne semblez pas vous départir des allégations générales concernant le sort réservé à toutes les personnes du Cambodge démocratique dans le cadre de l'idéologie du PCK. Sur quoi fondez-vous ces généralités, ces allégations générales que j'entends dans votre témoignage? Thank you, Mr. Co-defense lawyer. So with regard to ethnic Vietnamese, I think the demographic data is suggestive. But as I said before, I have draw upon comme data in the village where I work, but I link into the scholarship that's been done by other figures, especially in that regard, by Ben Kiernan, with regard to the John Ben Kiernan and Ben Kiernan a parlé des statistiques sur le Cham, ainsi que Osman. Pour ce qui est de l'expérience au jour le jour, j'ai mené des recherches sur le terrain au Cambodge en 1994-1995 dans le cadre de ma thèse, mais je suis revenu au Cambodge depuis lors, j'ai interrogé plusieurs personnes, j'ai suivi les procédures dans le cadre du procès Dutch. My knowledge, read many memoirs, so my knowledge, as well as my understanding of the scholarly literature, is much broader, and what I would add is, I think it's an important caveat that you mentioned with Michael Vickery, that there is spatial and temporal variation, so even in his account, he can talk about an area having relatively things being okay, but then it changes over time. That's a point that he also makes. But I think by and large, with the group, if we go back to the question about the different groups of base people, there's a cohort of people that are more supportive initially. The people that may be in the middle, maybe people against them, and those divisions change through time. And I think as opposed to saying, ensuite, everybody actually tried to specify that there was variation, ces personnes ont changé dans le temps. And there was variation that took place il y avait temporarily. Des variations, des variations so temporelles. Perhaps in passing, I may have said that, but I know peut-être que je that l'ai I dit also en passant, specified mais je sais également that it's important que to pay attention to temporal variation. Et qu'il fallait mettre l'accent sur les variations temporelles. I understand what you're saying, but for je comprends defense, votre propos, it's important to be mais pour able la défense, to, c'est important establish exactly what your sources d'établir are exactement for, sometimes, quelles étaient vos sources. We believe quite far-reaching claims. Les sources returning to the de vos allégations, parfois lourdes de conséquences, killed, nous le pensons. Vous avez dit que partly, la raison pour laquelle my conversations with villagers, pardon, les, ce qui sous-tend l'allégation que tous les Vietnamiens étaient tués, et c'est la conversation avec les villageois et les études de Chandler qui a dit que tous les Vietnamiens étaient tués. Était-ce la méthodologie que vous avez utilisée? Thank you, Mr. Co-defense lawyer. So in terms of those who've studied the killings of ethnic Vietnamese, Ben Kiernan has done the most work. Certainly, we have demographic data that have been given as well. But I think by and large, we will learn more and have much more definitive information based on the information that I have from secondary sources from the village where I work. As we saw from documents presented in court by the OCP today, there's a substantial body of evidence that looking at it seems clear that there was a genocide that was committed against ethnic Vietnamese. Having said that, the number of interviews, the information that's emerging in this court, I would guess that it will support that conclusion. We'll find out when the verdict is rendered. Je dirais que je suis en accord avec cette déclaration. Let's stay for a while at la défense. The killing of all the Vietnamese, as you
just described. Vous venez de parler de l'exécution de tous les Vietnamiens. Partially based on what you say were your conversations. En vous fondant partiellement sur vos conversations, dites-vous. Mostly based on. Et surtout. Upon what Kiernan has written. Sur les écrits de Kiernan. Are you aware of any academic or scholarly controversies? Y a-t-il à votre connaissance des controverses entre spécialistes ou entre universitaires concernant le travail de recherche de Ben Kiernan? Réponse. Thank you, Mr. Defense Co-Lawyer. It'd be good if you could be more specific, since you seem to be thinking préciser. About one thing. I should note the other cluster of information that I drew upon. Je voudrais aussi mentionner une autre source, DK, pour mes conclusions, ideology, radio broadcasts, so on and so forth, was l'idéologie du Parti démocratique, les émissions radio, autre facteur important, les émissions, par exemple, et également les carnets d'exécution de S21, la défense. Je reviendrai plus précisément aux Vietnamiens. Parlons méthodologie, pour l'instant. Je reprends ma question en étant plus précis. Savez-vous quoi que ce soit concernant des critiques parfois féroces adressées par des spécialistes américains à Kiernan, notamment Steve Heder et Morris? Connaissez-vous leur position sur le travail de recherche de Kiernan? Thank you, Mr. Co-defense lawyer. I am aware I would not characterize it as fierce, but je I think dirais pas que ce sont des critiques féroces, mais j'en suis au courant. Il y a eu des divergences sur le point de savoir si le régime du Cambodge démocratique était raciste ou motivé essentiellement par le marxisme-léninisme. Different groups were targeted. Le point de savoir si des groupes ont été pris pour cible. And Steve Heder's argument un exemple, in the review, Steve Heder, which is, I would say, critical. But I think they also have points of agreement. But I think about racism, they disagree. In Steve Heder's view, racisme, the targeting of ethnic Steve Chinese would classify as genocide. And so even though he disagrees about racism, Chan, he actually specifically points out that the 50% death génocide. Toll that took place il with dit, ethnic Chinese pardon, should be considered genocide. Il s'agit des Chinois. So they disagree, il avance regard, un chiffre de 50%. He actually picks up on an element in Ben Kiernan's il reprend work un élément du travail de Kiernan, Ben Kiernan doesn't accentuate. Sur lequel Kiernan ne mettait pas l'accent. Maybe my question wasn't very clear, so I'll rephrase. Question. Ma question n'était peut-être pas claire, je vais reformuler. My question was more about the controversy between il s'agissait plutôt on de la controverse Heder, entre, d'une part, Morris et Heder, qui portait sur le point de savoir si Kiernan était objectif dans ses recherches et ses travaux et ses livres. Savez-vous quoi que ce soit à ce propos? Thank you, Mr. Co-defense lawyer. I think, again, to be specific and clear, it would be good if you could read a passage that pourriez-vous préciser en citant un passage auquel vous pensez. Je connais l'article dont vous parlez apparemment, mais avec une question si générale, c'est un peu difficile. Pourriez-vous préciser concrètement? Sinon, je ne pourrais que supposer ce à quoi vous faites référence. Question. S'agissant des problèmes qu'a rencontré Kiernan lorsque son programme part of DCCAM, a intégré le CDCAM, and his, person became connected lorsque to, Yale et lui-même se sont associés au CDCAM, the questions that Morris raised, s'agissant des about questions soulevées par Kiernan, Morris sur le point de savoir si Kiernan, compte tenu de ses antécédents politiques, était vraiment objectif au CDCAM, vous-même, vous êtes, alors que vous-même êtes conseiller auprès du CDCAM. Thank you, Mr. Réponse. Co-defense lawyer. I should note I became an academic advisor to DCCAM after that. C'est après cela que je suis conseiller au CDCAM. Je n'y étais pas quand cette divergence a eu lieu. Il faudrait faire référence à un texte concret pour pouvoir se prononcer. I believe I know what you're talking about is when
Stephen Morris critiqued J'imagine que vous faites référence au fait que Maurice a critiqué Kiernan pour les vues qu'il épousait auparavant sur les Khmer Rouges. Enfin, si vous pourriez préciser, ce serait utile. Question. Kiernan lui-même, dans son livre The Pol Pot Regime, écrit qu'à un moment, presumably by former KR members, Khmer Rouge members, has been called a quote-unquote violent, odious hireling of the Vietnamese. In other words, that he was a pro-Hanoi qualifié communist, and that supposément par l'ancien Khmer Rouge in his views d'être partisan de Hanoi, et autrement dit, endangered his objectivity. Ses vues auraient pu compromettre son objectivité. Thank you, Mr. Co-defense lawyer. Réponse. Yes, I'm aware of that, and that's a j'en suis thread au courant. That emerges as well in the Steve Hedder article. Ça I se retrouve aussi dans l'article de Hedder dont vous parlez, je pense. You know, it's mentioned. I think there are, même si as I said, a number of issues indiqué, to me. Comme je l'ai dit, the heart of that article, while saying, questions. Questioning why there seems to be a diminishment, dans l'article, possibly of the PRK regime, de voir of the responsibility of the officials that went there. From that, to me, the point that I take out of that is that there's a difference about the degree to which Marxist-Leninism itself is responsible for the genocide that took place, dans la mesure dans laquelle as opposed to le marxisme of pre-existing est responsable du génocide par rapport à un racisme pré-existant. To me, most of the article l'essentiel de l'article, along those lines. À mon avis, porte là-dessus. But again, it would be helpful to have mais encore une fois, to il serait bon de faire référence numbers, à des pages like concrètes. The OCP provided the documentation, comme to actually l'ont see fait the text, les procureurs, it's easier to refer to it as me permettant to de me reporter au texte trying to remember, considéré, you know, also, plutôt que de devoir faire un effort de mémoire. Review, was, on m'a remis 10 to 15,000 pages, des documents. I'm happy if my memory is refreshed and something's presented to comment environ. Upon it. Otherwise, I, you know, il est donc bon de me rafraîchir so la mémoire en me présentant les documents, sinon je risque de manquer de précision. La juge. It was, yes, I, it was just ceci in general, pourrait general aussi questions. Plus facilement être acté. La défense, c'était une question générale. J'y reviendrai. Now let me return to where I was, and that was talking about your interviews. J'en étais à parler de vos entretiens dans la région 41. We talked a bit about representativeness. On a parlé de la représentativité. Did you have any mechanisms to disposiez-vous d'outils test of veracity vous permettant de mettre à l'épreuve la véracité de ce qu'on vous racontait, the reliability of la fiabilité, for instance, tip des propos de type, did you have par anything, exemple. Any methodology to make sure that aviez-vous what une méthode you were told was in fact, vous permettant de vous assurer what they really knew que ce qu'on vous rapportait correspondait bien à l'expérience réelle et à la connaissance réelle des intéressés? Thank you, Mr. Réponse. Co-defense lawyer. You know, and that's a interesting question as well. C'est une question intéressante. The sort of quick answer is that la réponse at rapide, that time, I tried to work through triangulation in the sense that if someone said something, I tried to triangulate de with other sources, people. Si quelqu'un disait quelque chose, j'essayais de recouper avec d'autres gens so my concern was sur to les événements en question. Represent the experience je voulais of the people in this district. Représenter l'expérience des gens dans as ce I district. Said before, at that time in Cambodia, comme for example, je l'ai dit, in this village, à l'époque au Cambodge, no electricity, il n'y avait pas d'électricité, de téléphone portable. Dans ce village, il fallait aller chez les gens à motocyclette pour organiser une rencontre. La communication était différente. Aujourd'hui, ce tribunal dispose de toutes sortes de ressources. It's completely different, and perhaps it's hard to imagine when you have a case file with et quand on a un dossier de centaines de milliers de pages, so at the time, c'est un peu difficile d'imaginer ce qu'était la situation à l'école. So à l'époque, ces documents n'étaient pas disponibles, d'où ma volonté de recoupement. And the, some of the records that I read related to Kampong Siem. Certains documents portés sur Kampong Siem testified in court or, and said things la grand-mère that confirmed what I had heard comparu before. Et in the meantime, a confirmé ce que j'avais entendu. Into the record,
From this individual, ensuite, who I haven't seen all of the different transcripts, but who you dossier, think is Tiep, and again, I couldn't even tell you, qui d'après vous serait Tiep, je n'en sais rien, il s'agit de procès dans verbaux d'entretien, encore une fois, je n'en sais rien, il faut que je me reporte à ma table de codification, mais encore une fois, say, this is the story of ce que j'avais entendu a été confirmé. J'ai tout fait en 1994-1995 pour reconstituer l'histoire de ces gens, et j'étais frappé de constater que de constater que ce qui a été dit ici au tribunal est venu confirmer ce que moi-même j'avais recueilli comme information avec mes efforts de recoupement. Massive quantities of information that just didn't exist at à l'époque, the il n'y avait pas de système de communication comme aujourd'hui. Finding him was very difficult. Il a été difficile, par exemple, de retrouver l'or pour l'interroger. J'ai dû prendre ma motocyclette et aller dans la campagne. The fact that grandmother Yut is there, she confirmed events in a la way that's similar. Quant à elle, a confirmé les événements tels que moi-même j'en avais recueilli le témoignage, le fait que les chams avaient été pris pour cible, la chronologie des événements concernant Rome, là aussi ça a été confirmé, les événements de Wat Phnom Prof Srey. As a graduate student, anthropology graduate student, I did the best I could. En tant qu'étudiant en anthropologie, j'ai fait de mon mieux et dans l'ensemble, ce que j'ai recueilli a été confirmé par les documents recueillis par ce tribunal, by several different people about the destruction y compris of the Jam des témoignages in Kampong Siem sur at that time. La destruction des Cham à Kampong Siem. I'm not sure if I know which documents you're referring je to when you're talking about du document confirmation. Auquel vous however, faites setting référence, that aside, des documents auxquels vous faites référence, focus quand vous parlez on one de very small example. It's mais not soit terribly relevant maybe, but, un petit exemple qui n'est peut-être pas extrêmement pertinent. Vous avez parlé, for instance, vous êtes entretenu avec un certain type, that grandmother Yut, lequel vous a dit que la grand-mère Yut avait tué son mari. Can you tell us how you went about to comment avez-vous fait this claim pour vérifier cette affirmation? Husband. Thank you, Mr. Defense Code Lawyer. Réponse. So again, as I said, I presented the experience comme of people, dit, the stories that they told, and as best I could, I tried to triangulate. J'ai essayé but in de terms recouper of finding ces récits, other cadre working there is very difficult, il était difficile de trouver des cadres vivant là, les gens cadre, ne voulaient pas être identifiés comme tels. Before, grandmother Yut does not acknowledge, la grand-mère Yut that she, ne reconnaît pas shot her husband, avoir but there is acknowledgement abattu son mari, she was fine. She mais didn't shed a tear when he was taken away. Il a été reconnu so qu'elle n'a pas versé une larme quand I il a été emmené. What is the truth? Is she going to say that in a public forum? I don't know, but the fact is her husband was taken away. Si elle allait she resolved not to do anything about it and was viewed as renouncing even her husband cas, for the revolution. So in that sense, I leave it to the court. If they're going to pursue this to sort of try and resolve what happened. Ce sera but the counts au by and large converge ce qui s'est very produit, much. Mais dans l'ensemble, les récits convergent. Is Tiep question. Let me rephrase. Was Tiep in your observation a CPK d'après vos cadre? Observations, est-ce que Tiep était cadre ou membre du PCK? He was referred to as a cadre. On le désignait in speech by people comme who knew étant him. Un cadre. En général, les gens qui le connaissaient le désignaient comme tel. Quelle est la définition d'un cadre? Il y a une définition familière et il y a aussi la définition telle qu'inscrite dans le statut du PCK. Il faut établir une différence. Sur le plan local, les gens travaillant au bureau étaient considérés comme cadres, le bureau étant un centre de pouvoir. Because there's no documentation about whether or not he was, for example, a member faute of the party, de documents, what his status il was. Serait difficile de savoir s'il appartenait au parti. That documentation, as far as I know, doesn't exist. À ma connaissance, ces documents n'existent pas. Did he acknowledge himself question, that he was lui-même, a CPK member? Admettait-il être membre du PCK?
Thank you, Mr. Co-defense lawyer. Réponse. I would have to check the transcript. Il faudrait que je vérifie la transcription. I don't remember that, him saying that, but I would need to check the transcript. Je ne me souviens pas qu'il l'ait dit, mais il faudrait vérifier la transcription pour être sûr. Did you, at one point in time, ever speak to someone vous êtes-vous who jamais acknowledge entretenu avec une personne either qui aurait he or she reconnu was a CPK cadre, avoir CPK été member, cadre ou membre du PCK or, had a high-ranking function, ou encore avoir exercé des fonctions say, as of, sub-district chief or district comme chief. Celle de did you ever speak to any, chef de district ou sous-district those two descriptions? Thank you, Mr. Co-defense lawyer. Réponse. So I've spoken at the time I was doing my field work. Lorsque je faisais mon travail you know history, sur le terrain, Civil War was still going on. Vous le savez, la guerre civile était encore en cours. Il y avait des combats. There were active Khmer Rouge in the Il y avait area des Khmer Rouge actifs dans ma zone de recherche. La situation sécuritaire était difficile. Les gens n'étaient pas prêts à reconnaître leur statut de Khmer Rouge. Il fallait donc obtenir la confiance des gens pour les faire parler. Pour ce qui est de membres au rang du PCK, je n'ai pas eu de telles conversations durant mes recherches. Aujourd'hui, certains sont à Phnom Penh, mais pas à l'époque. La situation était radicalement autre. La réponse est donc non. Explanation of to think to understand how I found the people I did and that it was difficult to find people. Pour trouver ces gens, c'était difficile. You really have to look at the historical context. Compte tenu du contexte historique. So would it then be fair for me to say that when you speak question. About the Khmer Rouge ideology, vous parlez de l'idéologie Khmer Rouge ou encore d'une politique des Khmer Rouge tendant à s'en prendre aux Vietnamiens pour les tuer ou encore s'en prendre aux Cham. Or even almost exclusively based ai-je raison d'affirmer que ceci se fonde exclusivement ou principalement sur les sources secondaires et non pas sur vos entretiens avec des cadres ou des gens qui pouvaient avoir des informations. Thank you, Mr. Co-defense lawyer. So again, the sources of information in terms of the JAM, they're the broader concernant les CHAM, ideological les sources d'information, like ce sont Phoebus radio broadcast, les émissions Phoebus diffusant l'idéologie, d'autres documents aussi, comme se présenter par l'accusation il y a but peu. In particular, in talking about region 41, mais pour la région 41, district, le district de Kompong Siem, Krom Krala, Osvay, and I talked to the villagers, I went to every household in the village, and I talked to people les villageois. To get a history of what happened, teach the family about their way of life, their farming, but into sort of found out about their life, into the present, through the PRK period, into the UNTAC period, and in doing that, RPK, as I mentioned before, I would talk, the people would mention faisant, the number of deaths, comme je l'ai dit, and les gens faisaient they would mention de décès. Explicitly il disait expressément à maintes reprises que des chams ou les chams avaient été emmenés et que beaucoup d'entre eux ou tous avaient été emmenés. J'ai obtenu ces informations en discutant avec des gens qui vivaient à l'époque dans les poumes, les communes, et qui en parlaient. The genocide à l'époque, je n'essayais pas d'enquêter sur un génocide contre les Chams, mais la question est apparue au fil des conversations. As I say, les gens ont parlé de leur expérience. Il y a aussi document that emerged, des documents de la Nike RPK, volume, that talks about the destruction notamment des documents Joms of Kompong Siem district. Évoquant la destruction des chams de Kompong Siem, Tiep, as you know, j'ai aussi interrogé Tiep. The record of it. So again, there are a number of different sources il y a donc that led to différentes sources that conclusion. Qui m'ont conduit à cette conclusion. I will tell you what my question. Problem is. Voici le problème you are here, auquel je suis confronté. You are vous êtes ici parce que vous êtes avant toute chose, un anthropologue. Vous vous êtes entretenu avec des gens, vous avez mené des observations participatives.
En même temps, phraseology, but you make very sweeping, generalizing vous prononcez des déclarations générales à l'emporte-pièce sur l'idéologie Khmer Rouge, la politique Khmer Rouge, etc. I'm just trying to find out exactly what the sources J'essaye are for these de déterminer précisément sur quelles sources se fondent ces déclarations, parfois très radical. Par exemple, concernant le racisme anti-vietnamien, d'où est-ce que ça vient? Ça vient de vos discussions avec des villageois dans tel ou tel district? Est-ce que cela provient de votre propre interprétation des écrits de Kiernan et Chandler, en plus de certains documents? J'essaye de faire toute la transparence nécessaire concernant les sources sur lesquelles vous fondez pour faire ces affirmations parfois très radicales et généralisantes. Le président, monsieur l'expert, veuillez attendre. L'accusation a la parole. La question devrait être plus précise. De quelle généralisation s'agit-il? De quels propos radicaux? L'expert, en outre, est ici en tant qu'expert du génocide et pas seulement anthropologue. Je ne pense pas que la question soit correcte ou suffisamment précise concernant les soi-disant affirmations générales du témoin. It would appear that la juge, in the end, counsel himself has realized that he has to be more apparemment, concrete, by, for instance, managing, la défense a compris qu'elle devrait être plus concrète, example, notamment what are the sources for what you said en about disant racism. Quelles sont les sources de vos affirmations sur le racisme. Ce serait plus facile de répondre Professor Hinton than general sweeping, to plutôt your word, que de poser des questions très générales pour reprendre so votre propre forward. Terme concernant no les sources de son travail, la défense. Pas de problème. Khmer Rouge ideology was racist, l'idéologie Khmer Rouge était came to raciste, their views of Vietnamese, anti-vietnamienne, Vietnam, anti-Vietnam. That is a very je pense que cela constitue une affirmation très radicale. Quelles sont les sources sur lesquelles vous fondez pour dire cela? S'agit-il de vos conversations avec des villageois? Ou alors est-ce que cela se fonde sur votre compréhension des documents de la littérature secondaire? Thank you, Mr. Co-defense réponse. Lawyer. I think that this issue is discussed in my book. Je pense qu'il en est question dans mon livre, dans so les notes de backpage. So you actually have a trail of footnotes that you can follow. More broadly, I should note that the book was also emerged from livre, you know, part of it from my research from 1994 to 1995. Since that time, I continued to do research over time. Depuis lors, mes recherches ont continué. I don't think that, de surcroît, you know, as documents we've seen earlier introduced by the Office of the Co-Prosecutors, you know, put forth are not rare instances of the use of the word UN, dans les documents, for example. Présenté par l'accusation. Et dans d'autres documents aussi, on voit que le mot Yun est utilisé un peu partout dans la propagande du PCK. Ce n'est pas du tout rare de trouver ce terme qui dénote une animosité, voire un racisme envers les Vietnamiens. Et dans mon livre, je donne l'exemple d'un de mes informateurs, une personne très intelligente avec qui je me suis abondamment entretenu, qui ne vient pas de Banyan, mais de la ville de Kampong Cham. Et cette personne, brusquement, s'est mise à parler des Yun sans s'arrêter. Il y a des articles de recherche, y compris un article de Penny Edwards qui se retrouve dans le volume édité par Ledger Wood et Steve Heder sur la période de l'Acronuque. Et là aussi, il est question de l'animosité associé au terme de Yun, cette idée que les Vietnamiens sont mauvais, perfides, betray Cambodians, steal from them,
to take their land, prêtes à déposséder les Cambodgiens de leurs terres. Tout cela a une longue histoire. Tout cela existait sous l'Onol, même s'il y avait une connotation bouddhiste à l'époque. The notion of sweeping claims, I agree, it's always good to interrogate notions. Effectivement, il est toujours intéressant d'interroger les déclarations trop générales. C'est votre travail, je ferai la même chose à votre place, mais je pense qu'il y a un consensus entre chercheurs. Of scholars, et pas seulement entre eux, small group of scholars who work on Cambodia, il y a le petit groupe de ceux qui travaillent sur le Cambodgien, mais aussi sur ceux qui travaillent sur les génocides avec une approche comparative. Il y a des gens qui font des accords, y compris celle d'une personne, même si, à mon avis, il n'y en a pas assez de connaissances pour faire des affirmations, mais je pense qu'il y a pas mal de gens qui pensent qu'il s'agit que ce qui a été fait aux Vietnamiens, aux Cham, était un génocide. Dans un sens, c'est radical comme affirmation, mais dans un autre sens, il y a pas mal de gens qui souscrivent à cette thèse. Il y a aussi des preuves abondantes dans ce sens. Mais en même temps, c'est votre travail de mettre cela en question, c'est votre fonction, et ce sera la Chambre de se prononcer en fonction des pièces avancées par la défense, par l'accusation, et moi j'attends les conclusions de la Chambre. La défense, ça a été une longue réponse. Je ne suis pas là pour déposer moi-même. J'ai parlé avec beaucoup de Cambodgiens, cependant, qui ont employé le mot « Yun » sans aucune connotation raciste pour désigner les Vietnamiens. Affirmez-vous que l'emploi du terme « Yun » implique le racisme de celui qui le prononce ? Et implique que l'intéressé pourrait, à un moment donné, perpétrer un génocide contre les Vietnamiens ? Thank you, Mr. Réponse. Co-defense lawyer. You make a very good point that we should sort of consider words and the way they're deployed. And again, faire attention à l'emploi des mots. UN, is deployed in different le ways. Mot UN est utilisé de différentes façons. Do use it as sort of a colloquial certains term. Certains l'emploient I mean, comme un terme you familier. Can do other language equivalents where people il take words that have often racist connotations and unknowingly use them. Des connotations racistes, other groups, and use those words mais qui in a sont sort of utilisées manner, par certains de façon but, plutôt désinvolte, sans intention raciste. Article, mais j'ai déjà cité un article de recherche, il y en a d'autres, qui tendent à prouver que quand les gens emploient le mot « Yun », souvent, a racist undertone. Il y a une connotation and as I said raciste. Before, sometimes people et comme even je l'ai dit, almost spit out the word. Certains, it's not en to quelque say sorte, by any means crachent that, le mot. You know, all Cambodians go around calling, cela ne veut pas dire que ethnic Vietnamese, Yuen, tous les Cambodgiens just like désignent comme Yuen tous les Vietnamiens. States, not everyone sharing them, but it's a subcomponent that exists. Mais c'est une composante qui existe. About this and they, during this process that I talk about, in terms of the manufacturing difference, et with the crystallization of difference, de la cristallisation de la production de la différence, on retrouve ces discours de haine qui sont mobilisés. Views of the other who become stigmatized on and it becomes incorporated into this process. L'autre. In terms of the use of the word UN and CPK discourses. Concernant l'emploi du mot UN dans le discours du PCK, on peut se référer aux transcriptions. On parle des UN qui veulent avaler le territoire. Autrement dit, le mot UN n'est pas utilisé hors contexte. En 1930, le UN formed Indo-Chinese. Par exemple, pour 12 comme 1930, les Yun ont créé une fédération indochinoise. La défense interrompt. Si feu le roi Sihanouk, par exemple, en prenant la parole au Conseil de sécurité en janvier 1979, parle des Vietnamiens à valeur de territoire, est-ce qu'à votre avis, il est raciste envers les Vietnamiens ? Thank you, Mr. Réponse. Co-defense lawyer. Out of respect for the late king, I don't necessarily par respect want to pour address feu, that directly. Roi, je ne veux pas répondre directement. I also think you need to introduce the specific context in which it was said. Il faudrait voir quel statement. Était le contexte précis, la déclaration précise. But speaking more generally, mais plus généralement, because it's a word
that is used by many comme c'est un terme employé par beaucoup de monde, when people use the word UN and refer to quand les gens emploient ce terme Vietnamese de UN, ils font référence aux Vietnamiens en lui attribuant des caractéristiques négatives, et ce discours, me semble-t-il, est raciste. Il stigmatise un groupe. Qu'est-ce que la stigmatisation? C'est le fait d'avoir une compréhension essentialisée d'autrui, une personne à laquelle on attribue des qualités négatives singulières. From existing et evidence, including selon moi, evidence that we've gone over earlier, that those negative attributions were given to people called Yuen and Khmer Rouge discourse, à ce que des gens appelaient des Yuen, including et dans le discours the document des Khmer Rouge, notamment, the black y compris paper, dans le livre noir, actually, I guess we haven't really talked about it, dont on n'a pas parlé, je pense, traces this long genealogy, uses the word Yuen. Retrace l'historique, la généalogie, et là on emploie opinion, ce mot de Yun. À mon avis, il est Yuen, manifeste que le terme Yun, compte tenu du contexte used, de son utilisation, contient une connotation raciste. Et je pense que d'autres spécialistes adhèrent à cette thèse. Je recite l'article de Penny Edwards, qui a examiné le colonialisme français au Cambodge. Elle examine cela en détail. Elle parle aussi de la période de la promue, qu'on peut aussi ouvrir les journaux, surtout en période d'élection. Après la période de la promue, il y a eu des attaques contre des Vietnamiens de souche, pendant la période de la promue et après. Politics, people are mobilized based on pre-existing on mobilise les gens animus that exists à des fins politiques with en se fondant sur une animosité préexistante envers les Vietnamiens du Cambodge. There's widespread evidence that this il y a is the case, des preuves abondantes de ce fait. To say to every time it's used, does it mean that there's this animus? Mais est-ce que toute personne qui emploie ce terme some éprouve de l'animosité? Pas nécessairement. I think it's the use of a word that has a negative valence that people use someone in ignorance. Les gens parfois peuvent utiliser de façon ignorante un terme à connotation négative. La défense. Il est bientôt 16 heures. Mr. Hinton, to have a look at that, je prie Monsieur Hinton de se pencher sur le discours en question prononcé en janvier 1979 par feu le roi Sihanouk. Je pense que cela se retrouve dans son classeur. J'aimerais y revenir demain. If we could just have the document number. Est-ce qu'on peut avoir le numéro de code de ce document? E3-7-335. President, le président. Defense Council, and merci, thank you, Monsieur le Conseil Mr. de la Défense. Expert. Merci, Monsieur l'Expert. The Chamber will adjourn the hearing today and resume tomorrow, that is 16 March 2016, commencing from 9 o'clock in the morning. Tomorrow, the Chamber will hear the testimony of the experts Hinton. And Mr. Hinton's, the hearing of your Monsieur testimony Hinton, as an expert is not yet concluded. Votre déposition the reason you're invited to return terminée. To the court room tomorrow morning. La chambre vous invite à revenir court officer, au please demain assist matin. In the transportation arrangement for the experts to return to his accommodation and à son lieu de résidence. Invite him back into the court room tomorrow at 9 o'clock in the morning. Security personnel, you are instructed to take you some phone and anoint you through the detention facility and have them return to the courtroom before 9 tomorrow. Au centre de détention et les ramener demain avant 9 heures. L'audience est levée.